Hey, bienvenue sur Rival Stars, du coup, où je vous donne mes petits conseils. Comment je fais pour avoir, pour guillemets, des robes qui me plaisent vraiment, qui sont très jolies, etc. Enfin, que moi je trouve très jolies. Je vais vous expliquer. Du coup, je regarde déjà la robe du poulain quand je le fais net. Ça me plaît, ça me plaît. Vous voyez, là, ça me plaît. Bon, par contre, il n'est pas au top niveau. En plus, si j'ai un box. Du coup, voilà. Mais dès que j'aime une robe, ce que je fais, c'est que je la garde et je fais toujours en sorte de mettre une génétique avec deux robes qui me plaisent. Par exemple, on va essayer de voir pour cet étalon, donc on va le choisir comme étalon. Hop là. Voilà, je me rends ensuite en box de poulinage. Et vous voyez par exemple, ah bah j'ai un autre poulinage, bah, c'est pas grave, on s'en fiche. Je prends mon étalon. Ah lui, j'aime trop. Vous voyez par exemple, sinon j'aime bien cet étalon. Et je peux croiser éventuellement avec un autre cheval. Par exemple, j'aime bien ces deux robes-là. Pourquoi pas faire un poulain qui pourrait avoir ces deux robes-là. Vous voyez ce que. Enfin, un mélange entre ces deux-là. Bon, il n'aura pas un niveau XML, mais éventuellement. Du coup, on va se retrouver pour courir. On va faire quelques courses que nous allons passer. Par contre, j'ai oublié de quoi j'avais besoin. Du coup, hop, alors. Donc, j'élève un cheval, élève un cheval, blablabla. Du coup, ouais, si j'ai mon étalon. Sinon, j'aime bien aussi mon étalon, hein, clairement. Avec ses petites taches et tout, je trouve que ça lui donne un style. Et ouais, ça fera un peu un poulain niveau 4. Du coup, il me manque juste une ration de moulée standard. Donc, je regarde s'il n'y en a pas au marché. Non, du coup, il n'y a pas. Il y a vraiment une série standard. Je vais acheter, j'achète. Hein. Hop là, voilà, il faut quand même du stock. Donc, il manque une moulée standard. Ce que je fais, c'est que là, je vais aller faire courir n'importe quel cheval. Hein, juste histoire de gagner la course. Donc, j'ai pas besoin de faire une grosse, grosse course. Vu que c'est des rations standard, ça demande pas énormément. Vous voyez, là, bonus à deux victoires. Donc, on va faire deux courses avant qu'on gagne avant. Je mets Antaroma dedans. Hop, je recrute. Je fais commencer. Et là, je fais bien passer au résultat. Ça vous simule la course. Vous montrez les cinématiques. D'ailleurs, à partir concernant SSO, arrêtez de me demander pourquoi je joue plus SSO. C'est pas que je veux pas y jouer, c'est que je peux pas. Du coup, les explications sont dans un post de l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Voilà, hop. Je regarde mes gars. Bon, bah là, j'ai pas eu. Du coup, on va devoir recourir la course. Essayez quand vous avez besoin d'un truc, soit standard, soit de base, faire des courses qui vous prennent que une énergie et pas deux ou trois. Voilà, niveau 2, on s'en fiche complètement. Donc on va recourir. Après, quand on fait ça aussi, pourquoi pas maximiser les chances d'augmenter ses chevaux de niveau. Donc là, on va faire, on peut pas, on va sélectionner ou bah, on va prendre celle-ci. Hein. Hop, allez, la petite, ma petite favorite. On passe de suite au résultat. Quand c'est des petites courses aussi, je vous conseille de les monter quand vous voyez que vous avez les chances le plus proche de zéro et que vous êtes en premier. Je vous conseille vraiment de monter vos courses, ça vous évite de dépenser de l'argent inutilement dans un engagement d'un jockey. Hop, voilà, du coup, je vais pouvoir prendre ma ration de moulée standard. Hop, très bien. Je vais donc retourner maintenant à l'écurie. Ensuite, aussi, d'autres conseils. Quand vous avez plusieurs, que vous hésitez avec. Vous avez, par exemple, il y a deux juments qui vous plaisent pour une robe d'étalon. On va faire l'exemple de l'élevage tout de suite. Du coup, on va se rendre ici, donc élever un cheval. Par exemple, cette robe-là, par exemple, enfin, on va prendre, on va essayer de prendre. Donc, on va prendre mon étalon, là, enfin, prendre la petite jument. Voilà, avec mon étalon. Vous voyez, ces deux robes-là me plaisent. Mais admettons que. Ouais, si j'avais assez, celle-ci aussi. Admettons, voilà, celle-ci me plaît aussi avec. Je regarde entre guillemets, si j'avais assez, c'était par exemple deux juments niveau 5, etc. et que j'hésitais, je regarde les stats et je compare. Par exemple, lui il a 47, la 50, ah non, qu'il est 50, 50, 50. Je regarde sur quel est le plus haut, quel est le plus faible. Là il a 50 et 48, du coup ça fait une moyenne de 49. 47 et 53, ça fait une moyenne de 50. 50 et 47, ça fait une moyenne d'environ 51 par là. Vous voyez, du coup, je maximise mes chances aussi également par rapport au stade de base de mes chevaux. Donc là, on va lancer parce que ça va être plus pour la collection, pour la robe. Et je vais maintenant, du coup, devoir me séparer de mon étalon parce que ça y est, j'estime que j'en ai plus vraiment besoin. Donc hop, on va le vendre. Du coup, oui, je le vends, il n'y a pas de problème. Hein. Au revoir. C'était généreux de t'avoir parmi là, mais voilà, c'est une robe que je voulais pour faire reproduire parce que j'aime l'effet de petites taches. Mais c'est tout. Sinon, il y a aussi cet étalon-là que j'aime beaucoup. Donc lui, on va choisir étalon. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que vous voyez sa petite marque en tête, c'est ça qui me plaît le plus chez ce cheval. Du coup, on va se rendre, on va collecter le poulinage. Donc on va regarder. Vous voyez, par exemple, j'ai déjà. Ah, remarque, c'est une niveau 5. Du coup, on va Right Moon, on va la garder.
Après, essayez de maximiser aussi à chaque fois quand vous augmentez de palier. Vous avez des fois des chevaux du coup qui peuvent avoir un meilleur niveau. Là, on voit que j'ai vraiment beaucoup de chevaux au niveau de la même marque en tête. Du coup, je sélectionne. Là, je regarde les stats 54, 53, 54. Je suis pas très fan de la robe, mais ça reste un bon cheval. Et là, on est à 50, 50, 51. Vous voyez, au niveau des stats, ils sont moins puissants que la jument d'avant, par exemple. Et là, il faut bien sûr que j'en vende un parce que je n'ai malheureusement plus de box de libre pour le poulain qui va naître. Du coup, je compare. Alors, en vrai, je pourrais vendre Infinity. Sauf qu'Infinity, c'est ma jument qui est le plus haut niveau et qui va me servir pour les grosses courses. Conclusion, qu'est-ce que je fais? Après, j'ai cette jument-là, Plumbler, mais c'est ce qui fait son charme, c'est sa balzane. Donc, je pense que je n'aurais pas gardé. Du coup, même si celui-ci a des stats plus élevés, ah non, moins élevés, pardon. Bon, bah, moins élevés, mais j'aime bien au niveau de sa couleur, son alezan. Du coup, je vais faire le choix de me séparer, eh ben, de Hipster. Parce qu'on peut voir que c'est moins expérimenté. Voilà, donc elle est niveau étoile 4 avec pas des stats de ouf. Je dis pas que mes chevaux ont des stats de ouf non plus. Mais vous voyez, vu qu'il faut faire de la place, on n'a pas trop le choix. Ensuite, je vois que je peux élever un nouveau cheval. Du coup, je vais regarder, par exemple, voilà, Antaroma. J'aimerais bien la croiser. Oh, lui, j'adore. Ah, mais c'est le mien. Bah, avec le mien, du coup. Mais ouais, il me manque une moulée de base, une moulée de qualité. Du coup, on va aller voir. Par contre, au niveau des poulains, c'est pas top top. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Au niveau 5, on a celui-là. Mais là, il me manque. Ah, pareil que la moulée de base. Ouais, j'aime bien ce cheval. Du coup, je vais essayer de m'arranger pour aller courir une course avec une récompense en or. Ouais, non, c'est pas une moulée de base qui me manque, c'est une moulée de haute qualité. Du coup, on va aller courir. On peut voir que j'ai 5 d'énergie. Donc, on va regarder les courses où les récompenses en or. Donc c'est vraiment qu'à partir du niveau 11, 5 victoires, qu'on va regarder au niveau de Infinity. Ouais bon, on n'est pas top top, mais on n'est pas les pires non plus. Du coup on va recruter, on va lancer la course en espérant que ça passe. Et on pourra en lancer après une seconde si jamais. Mais j'espère quand même que la moulée de haute qualité va sortir pour pouvoir la faire reproduire avec ce cheval. Vous voyez, j'aimais bien sa robe un petit peu capée. Et du coup, ça pourrait faire vraiment un très très joli poulain. Un mix d'une robe un peu plus unie et d'un capé. Mince, malheureusement, elle termine 7e. On n'a pas ce qu'on veut. On va relancer une course. Hein. Non, malheureusement, j'ai pas besoin de celle-ci. C'est de l'autre. Donc là, hop, elle a augmenté de niveau. Mais là, on s'en fiche total. On va recourir du coup. Hein. On va tenter. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Hop, on va prendre cette course-là. Elle n'est pas au top top. Là, vous voyez, elle n'est pas top top dans ses chances de victoire. Du coup, on va pourquoi pas regarder cette course-là. Faut toujours essayer de voir au niveau du sol, etc. À peu près. Ouais, là, on n'est pas top. Hein. On n'est pas top du tout. On va regarder ici. Aïe, aïe, aïe. On n'a rien pour gagner une récompense en or. Donc, quand c'est comme ça, on n'hésite pas à demander. Hein. Après tout, il n'y a pas de honte à demander quelque chose. Je propose quand même qu'on lance cette course. Après tout, on perd rien. Hein. Voilà, on va tenter. Hein. Hop, du coup, on va recruter. On va commencer. Parce que des fois, on n'est pas au top des chances, mais par miracle, on arrive quand même à se placer dans les trois premiers, voire même à gagner de temps en temps. Du coup, maximisez quand même toujours vos chances et sélectionnez bien. Si vous voulez faire reproduire qu'il vous manque un truc, vérifiez bien dans le croisement de vos deux chevaux ce qui vous manque pour pas user des courses et des récompenses inutilement. Bon, elle est sixième, c'est moins pire que tout à l'heure, mais on n'a pas ce qu'on veut. On a quand même gagné quelques petits trucs. On va refaire une course, du coup. Courir. Parce qu'on a une d'énergie, on va prendre à 6 mido. Du coup là, ah oui, il faut, ok. Du coup, on va prendre cette course qui nous rapporte 1550. Et on va maximiser, on va pas utiliser nos chances, on va faire courir un petit peu un autre, vous voyez, hop. Et c'est vrai, parce que comme les chances là sont égales, après quand vous voyez que vous avez plusieurs chevaux et qu'ils sont tous premiers, avec plus ou moins de chance, essayez de prendre vos chevaux avec le moins de niveau pour justement les faire monter de palier, c'est mon petit conseil. Après, c'est à vous de voir. Si vous avez un cheval qui a eu un déficit en vitesse, vous avez une jument qui a une vitesse par exemple à 48, le reste qui a 55-55, prenez un cheval qui a une vitesse à au moins 50 ou 51-52, quitte à avoir les autres stats plus bas. En fait, il faut toujours essayer de faire une moyenne et de calculer plus ou moins ce que ça pourrait donner pour le poulain dans les stats. C'est quelque chose de très très important. Et ensuite, essayez de jouer avec vos robes, etc., les robes que vous aimez. Ou alors si vous avez une robe qui vous plaît pas trop, mais vous avez un croisement qui vous plaît, et ben tentez, regardez un petit peu le croisement, hein, etc. Parce
ce que ça peut faire. Parce qu'il y a des fois, une robe qu'on n'aime pas et avec une robe qu'on aime bien, ça peut faire un croisement sympa. Et c'est pas moi, je t'en ami. Quand je peux, ouais, j'envoie les cadeaux. Hein. C'est pas un mensonge. Bon, allez, tiens, je vais te dépanner parce que j'ai pas besoin de maçonnerie pour le moment. Là, j'en ai pas. Tiens, toi aussi, c'est cadeau. Hop. Parce qu'en plus, je pense que vous avez pas beaucoup d'amis sur le jeu. Enfin, en gros, moi, j'ai deux pages d'amis parce que j'ai YouTube, c'est tout. Mais voilà. Donc, ensuite. C'est vraiment les seuls petits conseils que je peux vous donner. Ah, ration de sprint de qualité. Peut-être que ça va me débloquer un truc. Moi, j'aurais préféré une ration moulée de qualité. Après, je pourrais regarder faire un truc. Ouais, le marché là, c'est épuisé. Je peux tenter de faire ça. Ouais, y a rien qui me plaît de faire ça. Donc là, je vais un peu le gâcher. Ça va être un peu pour la vidéo. Vous voyez, vous pouvez toujours faire ça. Mais je pense que je l'aurais fait quand même hors caméra. Céleri, bah j'en ai 6, donc j'ai pas besoin. Hop. Moulé, ça je vais en acheter parce que j'en ai pas beaucoup comme vous pouvez le voir, voilà. Hop, et je n'ai plus assez d'or. Bon, ça c'est pas grave. Après, vous pouvez aussi collecter un cadeau en regardant une vidéo, mais ça je ferai hors caméra. Pensez aussi au marché à regarder les chevaux parce que des fois il y a des bons chevaux qui sortent disponibles en pièces et non pas en or ou en rose. Donc faites toujours attention à ça. On va revenir une dernière fois aux écuries. Du coup, box de poulinage. Je vais essayer de vous faire un petit comparatif du coup de la méthode. Sur un, par exemple, je vais faire reproduire cette jument, mais qui a une faible accélération par rapport au reste, entre guillemets. Du coup, je vais regarder les stats d'accélération des chevaux. Vous voyez, si je prenais celui-là, ça aurait pas été très intelligent au niveau des stats. Par contre, 50-50, après, ouais, voilà, l'étalon, lui, il est en dessous de ma jument. Par contre, si je prends, par exemple, ben ouais, mais j'ai trop. Voilà, ça. Ben là, l'étalon, il est au-dessus. Du coup, ça peut faire une moyenne de 49. Un truc comme ça, vraiment toujours voir la chose de la sorte. Après, là, c'est vrai que j'ai pas trop d'exemples concrets à vous montrer parce qu'on est sur des stats relativement très proches. Mais enfin, voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour votre élevage, etc. Donc, comparez bien les stats. Si vous avez un cheval avec une déficit en vitesse, prenez un étalon qui a une bonne vitesse ou inversement, un jument ou quoi que ce soit. S'il est bon en accélération et moyen en sprint, prenez un bon en sprint et moyen en accélération, puis un stable en vitesse. Faites toujours une moyenne. Cherchez pas à augmenter tout au stade d'un coup, vous ne pourrez pas. Vraiment une moyenne. Et après, vous adaptez en fonction des robes. Et vous allez voir que vous allez sortir avec des chevaux qui. Robes qui vous plaisent. Moi, j'adore ce type de marque en tête. Et vous voyez, j'ai réussi à sortir des chevaux qui ont pratiquement tous ce type de marque en tête. Sauf celle-ci. Et celle-ci, je l'avais achetée. Donc voilà, sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!